En fait, nous avons conçu ce programme sans entraîneur. Nous n'avions plus d'attention de la part de notre précédent entraîneur. Je peux vraiment dire ça, nous étions seuls et sans conseil. Mais Tatiana, notre nouvelle entraîneur, nous a beaucoup apporté, spécialement sur le tango, le libre et bien sûr les imposés. Elle nous a apporté plein de petites choses, mais surtout, c'était un nouveau regard qui nous a beaucoup aidés. Vous sentez plus en confiance avec Tatiana? Oui, bien sûr, définitivement. Et nous les retrouvons, Oksana Grichuk et Evgeny Platov, triple champion du monde, champion olympique, double champion d'Europe. Ils ont changé d'entraîneur. Ils avaient mis le feu, on peut le dire, à Bercy lorsqu'ils avaient produit pour la première fois le programme que vous allez voir. Et là, pour une fois, on peut dire que la hiérarchie est respectée dans la danse, puisqu'ils sont en tête et ils sont pour le moment très nettement au-dessus du lot des autres patineurs. Passion orientale, la musique de Peter Gabriel, musique du film La dernière tentation du Christ. Programme qui nous avait dévoilé à Bercy, et c'est avec beaucoup de plaisir et d'émotion que nous le découvrons une nouvelle fois.
forte hein, sur les dernières secondes. Mais à nouveau, quelle émotion. Et ce programme porte bien son nom, Passion Orientale. Il y a un mélange de douceur, de fluidité et de violence dans les gestes. La fluidité, la vitesse, la qualité d'interprétation. Surtout cette jeune fille qui bouge sur ses patins de façon absolument extraordinaire. Elle est agile de ses pieds et surtout chaque geste part de l'abdomen et réjaillit sur tout le haut du corps. En tout cas, c'est un programme époustouflant, époustouflant dans les lignes. C'est-à-dire, c'est pratiquement une succession de petits tableaux avec des figures totalement inédites. Je crois que pour Bournecraft, ce ne sera pas simple de patiner derrière. Voilà une des attitudes dont on se souviendra, car c'est probablement un programme qui rentre dans l'histoire de la danse sur glace, comme Moiseva Menenkopf ou encore comme le boléro de Ravel de Ken Torbid et Christopher Dean. Annick, joli programme quand même. Hein. Oui, effectivement. Et les dernières secondes là, finalement, qui a manqué, est-ce que ça peut les pénaliser ? Non, j'ai regardé le chrono qui s'est arrêté à 4 minutes 02, donc ils sont dans les temps. Et nous avons tous vécu à l'instant un moment émotionnellement très très fort. D'ailleurs, personne ne parlait. Il y avait un silence dans la patinoire fantastique. Ce programme était merveilleux. Merveilleux aussi dans la technique. Ils sont sans arrêt à contre-position, à contre-quart, à contre-direction, surprenant sans arrêt par de nouvelles positions, de nouveaux portées. Ils ne forment réellement qu'un. On ne sait plus à un moment ou à un autre quel est le corps de l'un, le corps de l'autre. Il y a une osmose fantastique. Nous sommes vraiment sous le charme et c'est un moment magique que nous venons de vivre. Ah oui, et je sais que beaucoup d'entre vous, mesdames, aimeraient bien ne faire qu'un avec Evgeny Platov, qui est un petit peu la coqueluche, il faut dire que... Oui, c'est vrai. Passez-moi l'expression, mais il est assez beau, mec. Oui, c'est le plus beau patineur de tout le circuit mondial. Je savais que vous aviez un petit faible pour lui. Oui, vous savez bien que je le trouve très très beau, Roger. On revoit là au ralenti l'une de leurs aptitudes. On a le souffle coupé du début jusqu'à la fin. C'est quasiment un programme trop court. Roger, vous voyez la fin du programme de Punchal and Swallow à 3 minutes 15. Ah oui, ça ne risque pas de vous arriver, non, car du début jusqu'à la fin, on est captivé. Et comme le disait assez justement Philippe Pélissier, c'est un programme qu'on vit quasiment en apnée. On a le souffle coupé du début jusqu'à la fin. Tatiana Tarasova qui est à droite, leur nouvel entraîneur. Est-ce qu'ils vont avoir des 6? Oui, il y a des 6. Il y a un 5-7, c'est quand même incroyable. Attendez, il y a les Américains et les Autrichiens. Place Grichuk et Platov en deuxième position. C'est ce qu'avait fait le juge canadien qui avait mis Bournecraft, ses patineurs, après le programme original. Il les avait mis devant Grichuk et Platov. Vous avez là toute l'illustration du manque d'objectivité et pourrait presque parler de magouille et d'association pour essayer de placer les patineurs d'une nation ou d'une autre.